expert, guys. What I'm wearing now today is like, I absolutely love it. I can't do anything with my hands, but I just love it. So much fun. No, I love what he does because it's very feminine, yet very strong. It's this feminine masculine that he does better than almost anybody else, you know. He does it in a way that is brilliant. And so, yeah, I'm really, really excited to see his show. What is YouTube? Literally was about to put everything on and I missed the most beautiful part of the entire outfit was this like amazing crystal bikini underneath, and I love it so much, and I love just like how lightweight this feels, and it just feels so good and comfortable. Everything I've said this week has like, for me, what makes me feel the best is whenever I'm comfortable, and that's what I love so much about this outfit. It's getting crazy. Ah non, c'est des fausses. C'est justement, alors techniquement, c'est ce qu'on a réussi à faire de plus beau et de plus proche de la vraie fourrure. Ce côté extrêmement enveloppant et chaleureux finalement. Mais tout simplement parce qu'il y a une demande chez les clients de couture qui fuit un peu les stations balnéaires surpeuplées où il fait 40 degrés pour aller justement dans des destinations plus nordiques, voire carrément ibériques, carrément super froides où il fait 5 degrés au mois d'août. Absolument, c'était toujours le noir. Moi, le noir, c'était quelque chose comme ça. C'est ce que je viens d'expliquer finalement. C'est-à-dire que dans la couleur, on met toujours du noir à poser à des collections, à des couleurs très très vives, genre des absinthes, des prunes, des roses shocking ou des choses comme ça. Ben là, je voulais des couleurs encore plus fortes. Qu'est-ce qui est plus fort que ces couleurs fortes? C'est les fluos.
Donc on y a été à fond, plus les reflets de comment ça s'appelle, de toutes ces couleurs-là, dans l'irisé des paillettes, l'irisé des sequins. On a essayé de travailler sur ça et des coloris intermédiaires qui sont un peu plus doux, des verts anglais, des choses comme ça qui s'y montent et qui lient un peu les couleurs. Comment ça s'appelle?